Hey, salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour la mission numéro 4 de Command & Conquer Général, le Let's Play. On est parti. Nos agents détiennent la preuve que nos misérables ennemis ont bâti une usine bactériologique. Général, vous avez ordre de détacher immédiatement un peloton de commando dont Lotus Noir prendra la tête. Une fois l'usine localisée, nos MIG laveront de leur pluie ardente cette futile menace. Ici MIG 1, cible verrouillée. Et à portée de tir. Feu à mon commandement. Ailier abattu, je ne vois pas la cible. Général, la GLA installe une usine bactériologique sur le territoire chinois. Vous devez la détruire avant qu'elle ne soit opérationnelle. Une destruction par nos forces conventionnelles entraînerait la pollution du fleuve Yangtze et plusieurs millions de morts. Seule l'utilisation de bombes incendiaires peut nous éviter pareille catastrophe. Ouais, donc là... Des Stingers empêchent toute incursion aérienne sur l'usine. Une équipe des forces spéciales devra les neutraliser afin d'ouvrir la voie pour nos MIG. Donc pour cette mission, on n'a pas de moyen de faire une base. Donc on a Lotus Noir et quelques unités. Et on doit détruire... Un complexe chimique. Enfin, de toute façon, on doit pouvoir voir les objectifs quelque part. Non. Enfin, ça va apparaître là. Objectif de mission. Détruire les sites Stinger de la GLA pour pouvoir avoir des renforts. Pour au final détruire un complexe de chimie de la GLA. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des nouvelles unités, les techno-pirates, qui permettent de hacker voilà, piratage internet pour avoir de l'argent. Ce qui me permet d'avoir des ressources. Et pouvoir créer des nouvelles unités au cas où je me fais décimer. Ce qui va sans doute arriver au fur et à mesure que je progresse dans la map. Donc on va commencer. Mon portable. Pas récolter de l'argent. Je peux ruiner leurs installations. Voilà, en sachant que normalement il y a des petites aides au fur et à mesure qu'on progresse. On voit qu'il y a des tonneaux qui contiennent de l'essence. Donc quand ça tire, quand on tire dedans, ça va exploser et un petit peu endommager les 6 Stinger. Sachant que ça, c'est, il y a 3 bonhommes à l'intérieur. 3 lance-roquettes, donc ça devrait pas trop trop poser problème pour les détruire. Je vais quand même attendre d'avoir tous les technopirates de créer. Après je pense pas qu'ils attaquent la base ici, hein. Ils sont pas programmés, enfin il n'est pas programmé pour attaquer la base. Juste pour défendre. Et donc on a aussi l'unité de la fois précédente, donc Lotus Noir, qui va nous permettre de capturer. Bon, je peux pas mettre en hors d'étoile de nuire le bâtiment. Unité perdue. Vraiment, elle est furtive, mais elle peut être détectée. Il faut pas qu'elle meure.
Non, je pense pas que je... Ouais, je vais pas la recréer. Donc une fois qu'elle est morte, c'est échec de la mission. Voilà, donc déjà le premier site est détruit. Et voilà, comme je le disais, on reçoit des renforts à chaque fois. Donc, je vais des jeeps. Unité perdue. Et comme pour les unités, comme pour les tanks de la mission précédente, hein, une fois qu'on atteint le grade numéro 2, ils se soignent automatiquement les unités. Besoin d'un transfert ? Hop, on va capturer le Derrick, comme ça on va avoir encore plus de ressources et je vais continuer à faire des unités. Ah oui, une particularité que j'ai peut-être pas dit dans les précédents épisodes, c'est quand on fait des gardes rouges, ils sortent à chaque fois au nombre de 2. Alors que dans les autres factions, c'est une unité pour une unité quoi. Bah, c'est juste la particularité des gardes rouges, ils sortent par 2. Est pas mal. Par contre, il coûte un peu plus cher, un peu logique. Nous luttons ensemble. Bon, je pense que je referai la comparaison quand on jouera les autres factions. Défenseur de la paix. Immédiatement. Je m'en sortirai. Nous luttons ensemble. Donc, allez, on va essayer d'attaquer le deuxième point. Sachant qu'il faut se méfier de ça, voilà les tunnels, les réseaux de tunnels. Nous luttons ensemble. Parce que ça, c'est une mitraillette. Il faut se méfier de ça aussi. Tracteur bataille logique. Vu qu'on a aucun tank, c'est un peu chaud. Là, il y a des unités un peu cachées. Bon, avec tout ce qu'on a. Pas trop de problème. Voilà. Je vous écoute. Bon, en théorie, on n'a pas besoin de créer de nouvelles unités. Je pense qu'on peut finir une mission sans créer quoi que ce soit ici. Nous sommes les gardes rouges. Je suis en route. Nous les abattrons. On va quand même essayer de détruire ça. En théorie, on devrait passer par ici. Unité perdue. Le radar indique que 3 autres sites Stinger Général. Une escadrille de MiG décolle à l'instant d'un aérodrome de Chengdu. Éliminer la menace des Stinger pour faciliter leur attaque. On a même l'unité de la GLA, les MiG. Ils tirent des lance-roquettes. Unité perdue. Par contre, elles n'attaquent pas les unités aériennes. Général, les MiG sont en vol. Mais 2 sites Stinger défendent encore l'espace aérien au-dessus de l'usine. Détruisez-les. J'ai compris. Donc là, il n'y a pas 36 solutions pour essayer de l'avoir sans qu'il nous touche. C'est qu'on va devoir prendre les lance-missiles. Général, la GLA a déployé des tracteurs bactériologiques dans cette zone. Lotus Noir peut immobiliser un véhicule pendant que vos tueurs de chars l'achèvent. Général, la GLA s'est emparée de l'un de nos complexes militaro-industriels. Lotus Noir doit le reprendre afin que vous puissiez produire des chars. Ouais, je m'en souviens maintenant. Donc là, même pas besoin d'utiliser Lotus pour essayer de... Allez. Unité perdue. Allez. J'ai un peu mal géré. Je vais en recréer quelques-uns. Par contre, je vois pas pourquoi ils ont arrêté de produire. Hein. Hop. Câble de liaison branché. Qu'est-ce que c'est, la voix élue? Je pense. Je vous écoute. On va percer le défenseur de la paix. J'aime les grosses cibles.
Allez, on va essayer de détruire ça, il n'en restera plus qu'un ici. Je crois que de mémoire, faut faire tout le tour. Donc, ouais, ici, ça s'est barré. Unité perdue. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ouais, les MiG sont en approche, général. Vous devez absolument venir à bout du dernier site Stinger. Besoin d'un transfert? Je pense. Ah, j'aime les grosses cibles. L'armée du peuple est là, tout de suite. Il y a des chars ennemis. Envoyez tout ce qu'on a. En chasse. Unité perdue. On va essayer de capturer ça. J'ai oublié que j'avais des bonus, donc de l'argent. Ouais, c'est ça. Unité perdue. Donc ça, ça permet de capturer l'argent des dépôts ennemis. Donc là, il faudra que je le découvre pour pouvoir pirater leur dépôt. Bah, par contre, là, je me suis fait défoncer. Ok, c'est ça. Unité perdue. Besoin d'un transfert? En route. Lance-roquette pour la Chine. Qu'est-ce que c'est? Désactivé. J'attends vos ordres. Bien détraqué. Je vous écoute. Bien sûr. Compris. Unité perdue. Besoin d'un transfert? Ouais, je vais avoir des petits soucis là. J'ai plus aucune unité. Alors, on va faire plein de gardes rouges. J'ai pas d'endroit pour les mettre en garnison. Traquons l'ennemi. En chasse. Trouvons ces chars. Traquons l'ennemi. Trouvons ces chars. Lance-roquette en route. Il y a des chars ennemis. Lance-roquette en route. Dissipateur de chars. Est-ce qu'il y a quand même une petite gestion de l'environnement? Ils ont du mal à m'attaquer. Unité perdue. Il traite contre le gros missile. Ouais, les soldats qui arrivent. Unité perdue. Parce que par contre, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est furtive, je vais peut-être pouvoir passer entre les mailles du filet, comme on dit. J'ai le plus gros calibre. Il y a des chars ennemis. En chasse, dissipateur de chars. Lampe. J'ai eu qui récoltait ici. Oui. Alors ça, c'est un radar mobile. Parce que la GIA ne dispose pas de radar dans leur poste de commandement. La Chine, elle, il faut le créer. Bon, là, je l'ai déjà. Normalement, il faut le créer. Les USA, ils l'ont directement. Et pour ce qui est de la GIA, eux, il faut qu'ils fassent leur complexe d'armement, là, genre leur trafiquant d'armes. Pour construire le radar mobile pour enfin voir la minimap. Donc il faut bien qu'il te place stratégiquement pour pas qu'il se fasse détruire. Parce qu'une fois qu'il est détruit, elles sont un peu perdues. Encore que là, vu que c'est l'IA, c'est pas très réaliste vu que. Enfin pas très réaliste, disons que. Ils s'en fichent un peu. Mais en multijoueur, c'est pas mal ça. On va essayer de réussir à détruire leur radar mobile. Ils sont un peu aveugles. Ils se retrouvent aveuglés. Et du coup, on peut en profiter pour les détruire. Donc là, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas trop de tanks. Il n'y a pas trop Unité perdue. Ouais, pas trop de véhicules. Si je fais des gatling mobiles, ça devrait suffire. Par contre, je crois qu'il y a un tracteur dans le coin, de mémoire. Heureusement, j'ai fait les missions il n'y a pas longtemps. Il y a toujours des moyens d'entrer. J'ai de quoi les transpercer. Nos armes gardent rouge. Dissipateur de chars, trouvons ces chars. Ah, j'aime les grosses cibles.
Je suis au garde à vous. J'attends vos ordres. Moi, j'ai le technicien, le technopirate là, je sais pas pourquoi, je l'ai embarqué sans faire gaffe, non même pas. Ah, ils m'ont peut-être largué, ouais. Peut-être qu'ils m'ont largué des nouvelles. Nouveaux renforts, du coup j'ai un technicien, bon, c'est pas bien grave. Ouais, des voitures piégées. Ok, le bug. Ok, ça fait comme si elle était détruite. Ok. Le jeu est pas exemple de bug, hein. Il y en a pas mal. Unité perdue. Ah voilà, c'est toujours pété. Tracteur météorologique. Ça, faut pas trop que je le détruise aussi. Ouais. Ouais, à part des jeeps, ça va. Ça se détruit assez vite. Donc eux, ils ont pas de blindage avec moi, oui. Je suis un peu plus puissant que leur jeep. Hop. Non, je préfère le char dragon, c'est un peu. Char dragon, c'est un peu limité que ça. Pas grand chose. Ils sont assez lents. Donc, le temps qu'ils se déplacent, ils peuvent être détruits. Ouais, en fait, ils ont pas mal de jeeps. Mais... ouais, c'est difficile ça. Je pense que c'est une kamikaze. Par contre. Ouais, bah, faut que je protège un peu ce coup-ci. À chaque fois, il m'envoie des voitures piégées, ça va le faire. Donc voilà, là, je peux piquer leur argent. Hop. On l'a donné parce que je peux pas faire de truc pour ramasser ça. Par contre, avec Lotus noir, hop, je vais pouvoir capturer la Derrick. Là où le Derrick de pétrole. Hein. Dites-moi dans les commentaires, on dit là ou le Derrick de pétrole. Je pense que c'est là. Hein. Un Derrick. D'accord, on y va. J'attends vos ordres. Oui, immédiatement. Allez, ton canard. Là, c'est bien parce que dans leur base, ils ont aussi un truc comme ça. On va essayer de les détruire. Ça c'est leur base, donc après ça sera assez unité résumé. Perdue. Unité perdue. Ça c'est spécifique à la mission. C'est mur là. Piège à char. Non, ça c'est pas possible d'en créer. Unité perdue. J'essaie de détruire ça, on s'en recrée à chaque fois. Après, je peux essayer de m'amuser à les capturer. Mais ça sert à rien vu que c'est la fin de la mission. Unité perdue. Besoin d'un transfert? Je m'en sortirai. Bien sûr. Et hop, on détruit le palais. Là, c'est leur centre de commandement. Hein. Ils sont buggés. Bon, ils m'ont pas, repéré leur tracteur. Hein. J'ai pas du boulot.
être détruit. Bien, général. Bien, général. Pour la République. Unité perdue. On se fout un peu chier de se mettre en garnison. Je pense que le temps que les unités arrivent, j'aurai fini. Allez. Unité perdue. C'est juste ça qu'il faut que je maîtrise. Après le reste, ça sert pas à grand chose. Et puis après, ça sera la fin de la mission. Unité perdue. Allez, allez. Et voilà. Bon, c'est un peu plus rapide que la mission numéro 3. Verrouillée sur coordonnées 71-319. Aucun ennemi sur zone. Nous passons en formation de bombardement. Je vous suis. J'ai la cible. Cible identifiée et à portée de tir. Feu à mon commandement. Feu. En plein dedans. Cible voilà. Détruite. Retour à la base. Allez, aujourd'hui la livraison est gratuite. Et voilà pour cette mission numéro 4, en sachant qu'il y en a 7 par faction. Mais je pense que j'aurai du mal sur la dernière mission, enfin on verra bien. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Diablo, salut!